مجموعة أليانس قدمت بمقرها بمدينة الدار البيضاء نتائجها المسجلة إلى غاية 30 من يونيو 2019، وعرفت النتائج نموا إيجابيا، بحيث استقرت النتيجة الصافية الموطدة في 102 مليون درهم، وانخفضت المديونية الصافية للمجموعة ب 860 مليون درهم لتستقر في 2.2 مليار درهم إلى غاية 30 من يونيو 2019. Au sujet des résultats semestriels du groupe Allianz, donc aujourd'hui le chiffre d'affaires s'élève pour ce semestre à 1 milliard 50 millions de dirhams, comparativement à 1 milliard 800 millions de dirhams le premier semestre 2018, mais ces 1 milliard 800 comprenaient des dations. Donc si on reste à périmètre égal en enlevant des dations, l'année dernière on a fait 450 millions de dirhams et aujourd'hui 1 milliard 50, donc plus que le double. Au-delà de ce chiffre d'affaires, il y a la santé financière du groupe, il y a une dette qui est maîtrisée. On avait 8,5 milliards à fin 2014, aujourd'hui on a 2,2 milliards. Donc sur 2,2 milliards, il y a 10% même pas de dette bancaire et 2 milliards qui seront reprofilés sur 10 ans avec 4 années de grâce. Donc pendant 4 ans, on ne paye ni intérêt ni principal, on commencera à payer dans 4 ans. On parlait aussi du développement. Aujourd'hui, on a lancé 4 projets importants dans le pôle social. On va lancer d'ici la fin de l'année, l'année prochaine, 6 projets au niveau du pôle social, au niveau de Allianz Création. Et tout ça représente 15-16 milliards de dirhams à court terme. Donc vraiment un groupe qui a été pérennisé, qui a été assaini au niveau de la dette. Donc vraiment, l'avenir... On est très très confiants. أما فيما يتعلق بالمشاريع في إفريقيا، فالمجموعة مستمرة في ديناميتها التوسعية في كل من الكاميرون والكوت ديفوار. Donc au Cameroun, on a un projet de près de 3 milliards de dirhams. C'est la construction de 8 hôpitaux dans les 8 chefs-lieux du Cameroun. C'est la construction de 800 logements. Donc c'est 100 logements par hôpital et 3 plateaux techniques qui vont être rénovés. Donc on est très bien avancé, on a déjà livré quelques-uns. Et en Côte d'Ivoire, on vient de nous confier, donc l'entente nous a confié une tour de 600 millions de dirhams. Donc si vous voulez, ces deux projets phares, c'est vraiment une reconnaissance du savoir-faire du groupe qu'on avait mis à disposition du Maroc pendant plusieurs années. Et là, on est très fiers qu'on nous fasse appel à nous au niveau international, donc au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Cameroun. Et il y a d'autres projets encore, Inch'Allah, qui sont en étude. تواصل إذن مجموعة أليانس برنامجها التطوري وفق نموذجها الإداري الجديد، بحيث تعرف كل المشاريع التي أطلقتها خلال 2018 تقدما في الإنجاز، مما سيساهم في تطوير نتائج المجموعة ابتداء من عام 2020.